Ok, je vais péter les APM en début de game. Tu commences à jongler comme ça quand t'es énervé. Je débarque avec Ponf en mode swag. Je jongle avec je sais pas quoi, c'est peut-être mes balls. Ok, la game qui est lancée, me dit-on. Il donne tout, Coca, même ses balls pour StarCraft 2, pour le skill bien sûr. Les tweets sont là, les tweets sont nombreux, notamment en référence à l'âge de glace, comme on a pu le voir. Oui. Oula. Oula, Ponf. Ne disparaît pas. Tu sais que je ne suis pas bien grand. C'est vrai. Soit Civilization 5 avec un pote. Et on met les underdogs à côté. Si, si, level Vincent, bien sûr. Civilization 5. Un homme qui sait prendre du plaisir et qui s'amuse sur les jeux vidéo Game Game. Tu le connais bien, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Et bon sur tout rapport. Prêt à marier. Ouvert à beaucoup de choses. C'est ça, même au PVZ. Imaginez-vous le match qui vient de se lancer en haut à gauche. Alex qui? Toujours sur Koda, édition Championship pour la team AAA contre tout type d'autorité. Il n'y aura pas de passage piéton. Tout le monde traverse où il veut, Coca. Mais là, j'ai déjà fait mon animation là. Oui, moi je te fais galère. Moi je m'en bats les couilles. El Pionico de la Beca. Team AAA. Pionico. Oui, face à lui, pour la team Mistral U. Ça sonne un peu Zboula. Il s'agit de Zboula. Zboula. Mistral EU, parce qu'il y a du coup, il y a un Mistral NA, il y a un Mistral Asie. Il y a... Non. Il y a un Mistral gagnant. Ouais, il y a. Non, il y a un Mistral EU, c'est tout. D'accord. Voilà. Team tout à fait respectable en Europe. Qui a un niveau plus que... Et qui tient à rappeler que c'est Europe, quoi. C'est ça. Dans son blaze. C'est... Qu'on ne nous prenne pas pour des Américains, hein. Voilà. Ouais. On n'est pas des ladders foireux, bon... C'est ça, hein. On n'est pas la team du 8e jour. Ici, c'est sérieux, c'est Europe. Et alors, Zbelin, on l'a vu batailler moult fois en Underdogs. Je crois pas qu'il ait encore gagné de qualif pour être titulaire. Du coup. Alors, je crois qu'il était passé une fois suite à la désinscription de Marine Lord. Il avait exact. Été tiré au sort. Ça voilà. Me dit quelque il chose. Avait passé les phases finales. Le bon Zbelin. Mais sinon, non, il a pas réussi à passer. Oh putain, la bouteille d'eau. Il avait pas réussi à passer les qualifs jusqu'à présent. Non, t'inquiète, j'ai mon Aisti camouflé, mon bon tuyau. Oh là, la Ponf, catastrophe, qui fait de la merde, hein, disons-le. Qui fait tomber le bouchon, la bouteille qui danse sur la table. On a manqué la catastrophe, le stream qu'aurait pu cut d'un coup, Ponf électrocuté. Ça aurait été la fin de toute une histoire, là. Hein. Les locaux qui brûlent, du coup, ou qui se noient. C'est ça, et puis un Ponf grillé, quoi, j'ai envie de dire. Avec un bon goût de chamallow. C'est ça. Et on aurait odeur de cochon. Un peu de grec, ouais, parce que c'est sûr, c'est ce que t'as mangé ce soir. Non, même pas. Ouais, non, il est fermé aujourd'hui. Je suis resté sur du puisque c'est le sujet, sur un bon sandwich Saint-Mauré. Que t'as acheté après ou ça où toi? J'ai acheté, j'ai confectionné moi-même. J'ai acheté ma baguette tradie. Ouh là là. Et je suis passé faire un tour au Lidl Price. Oh putain. Et j'ai confectionné moi-même ma nourriture, un peu comme un chasseur qui. Un chasseur-cueilleur, tu vois. Ah, ça déconne zéro, hein. Voilà, j'ai plus cueilli que chassé, mais en tout cas, enfin, j'ai surtout payé, mais en tout cas, je me suis moi-même mis double. D'accord, non, ça m'impressionne. Ne péta le reste de ma baguette. C'est vrai qu'il a fait. Il est arrivé, le mec. Qui devait me servir de dîner, mais bon. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour le taper faire? C'est ça, c'est. Bon, les mecs arrivent. Ils sont jeunes, voilà, ouais. Ils ont faim, c'est normal, ils sont en période alors de croissance. Que, combien il s'est fait de pognon à la Zusrand, là, disons-le, hein, pour qu'il te pète à ta baguette, c'est ce petit chien de la casse. Il claquer son McDal. En fait, il avait la flemme d'y aller, il m'a dit, putain, c'est loin, non? J'ai fait, bon, 5 à 10 minutes à pied, il a fait, ah ouais, bon, je vais chercher un truc. Et il t'a pété ta baguette, il propre, pété ma baguette Drogo, bah c'est un Protoss, hein, disons-le. Ici, on est en train de scouter avec deux petits glings, hein, Belin qui prend l'info sur à peu près tout, même s'il n'y a pas énormément de choses à voir en soi. Un rescapé, le deuxième ne s'en sortira pas, l'histoire sera moins belle. Exécution sommaire. Et ce scout, voilà, qui aura fait le taf, hein, qui a bien scouté, qui a bien pris des notes sur son petit calepin. Tous les Arglings ont un calepin, vous le savez, sous l'aile gauche. Et se retrouve maintenant, eh bien, étalé comme de la confiture sur le sol de cette expande.
Malheureusement, ce Zerling n'a pas survécu. Pylône posé en bas à gauche de la part de Psionic. Psionic de la team AAA, Triple A. Achum, tu vois. Voilà. On peut le dire. Comme à tes souhaits ou que cette blague est drôle. Ou les sept nains. Ah oui, Achum. Achum, c'est un Pokémon. C'est un Pokémon. C'est un des sept nains. Les références qui s'en mêlent un petit peu. Et big up à Psionic hein, qui s'est rasé pour la première fois. Oui, tout à fait. Il a tweeté. Hein, il était très fier de lui. Oh putain, c'est les gars. Pas une blague. J'avais un poil de barbe sur la joue gauche. Il s'est rendu compte qu'encore plus stylé que d'avoir un poil de barbe, c'était de le raser. C'est ça. Et tu te sens très frais. Alors que toi, t'as découvert ça à l'âge de 11 ans et demi. Ponf. Tu dis ça, mais c'est à peu près l'âge où j'ai commencé ma puberté, Coca. Et est-ce que tu le connaissais cet animal juste? Non. Ah, il a la classe, hein. What the fuck? Il est carrément énervé. Hein. C'est une épine dorsale d'un truc énervé, on dirait. D'un gros ver de terre. Alors, en tout cas, il était pas là pour enfiler des perles, hein, sûrement. Non. Bon, il est mort comme une merde, hein, disons-le. En gros, il avait un gros cul, il a pas réussi à monter la falaise et il est mort là. Fantaisie, mais, ouh, le petit chantiseux. Ça va devenir un chant un peu tribal bientôt. Ah bah là, tiens, on intégrera des nouveaux pouilleux, on va l'intégrer, on va le mettre tout nu avec un panier, on va faire pougnon. Et lui, il sera là en train de danser tout nu au milieu du studio. on va faire des trucs cool. Et ce sera streamé. Bien sûr. Bah bien sûr. On va l'appeler pougneux. Voilà. Pougneux. Pougneux. Allez, ici, B3 pompe. Ricole. Et ricole, tout à fait. Total ricole. Et regarde, il continue à péter ta baguette. Non, hein. Tu t'es fait combien de pognon à la Zusrog là pour venir péter la baguette de Pomp? Désolé. Tu sais qui est en place? Combien t'as gagné de pognon, blague à part? Deuxième place, fait combien? Ça fait 3000 balles. 3000 dollars ou 3000 euros? Dollars. Dollars. Ce qui fait 2700 euros. Ça. Ouais, le taux est. Et le premier s'est fait combien pour qu'on ait le seum? 6000. Ah, ouais. 6. Deux fois plus. Aïe. Il a l'air plutôt bien, monsieur Nick là. Ni bien ni mal dans le sens où il est légèrement devant là quand même. Tu vas rigoler en termes de perte, voilà, y a rien qui est mort. C'est juste de la pression avec 4 stalkers et si tu trouves qu'il est devant, bah très bon taf de la part de Psionic alors. Non mais le mec n'en a aucune foutre idée. Non mais je t'avoue. Non mais oh bah on va y monter le top Europe. Bah non mais mec. Est-ce que toi tu vois est-ce que tu vois évidemment Coca, t'es vraiment trop nul. Arrête. Écoute-moi, la B3 est finie, presque finie. Oui, la technologie est avancée, le plus un d'attaque va se terminer. Et qu'est-ce qui est en retard chez le Zerg alors? Bah, c'est qu'il y a des unités de merde. Est-ce que j'ai raison ou pas, petit Drogo? Que Zergling Roach a la. Il est obligé. J'ai raison. Après, peut-être que si Zeblin dépensait sa thune, l'écart serait. C'est vrai qu'il est plus de banque. 1002 banques, mais c'est vrai que c'est plutôt ça. Mais il est déjà supply block. On n'apprend pas au vieux singe à faire des grimaces. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Apparemment, le top Europe est satisfait, Coca. Donc, top voilà. Monde là, carrément. Top monde. Alors, cette pression de Psionic n'a pas aucun sens, mais. Mais il va. Ça n'a aucun sens. Il va pouvoir recall de toute façon. Hein, mais, peut-être ouais, que ouais, mais tu l'as dit, il y a très peu d'unités hein, et des unités de merde. Bon, t'as vu un truc malin. Et ici, attention, on a un recall de près. Voilà. On n'a rien perdu. Hein. Il y a. Non, pour le coup. Non, y a rien qui est mort, il a chopé quelques glings, donc voilà. C'était pour la déconnade, histoire de mettre un petit coup au peacemaker de. Ça, de Zbelin. Arrête de manger tes cacahuètes, Zbelin. C'est entre toi, Zbelin. Ah, joli. Fais péter les triangolini. C'est ça. Les mini pizzas sur ton visage. Les petits carrés là. Oui, les crackers au fromage, les bien connus. Les crackers aux angles ronds. Ah, c'est carrément sexy ça. Ouais, non, ils sont bons ceux-là. Ouais, on aime hein, les Zbelin. Bah, leur petite boule, leur petite boîte jaune là qui a la couleur de son image. Est-ce que c'est fait exprès, tu penses? On va lui envoyer une petite boîte jaune. Ouais, bah elles sont jaunes les boîtes. Hein. Pas toutes, je crois. Hein. Ah, moi je me rappelle. T'as envie de me contredire aujourd'hui là. Ils sont en... T'as envie de me taquiner là. Oui, mais là. Tu dis trop de conneries aussi. Qu'à un moment donné, même si en se contrôlant, même si à un moment donné. Voilà, t'es un enculé, Coca, dis-le, tu vois. Dis-le, y'a pas de soucis. Génère le dégoût. Comment? Allez, ici la concave qui est préparée la part de Belin. Il rentre dans le paquet. Sionic qui défend bien Panceville de qualité. Et puis bah, il va choper 3-4 autres et puis s'en aller. Chichetel. Oui, tout à fait mon bon pompe. Il a perdu 2 stalkers. Et puis 10 Zerglings, voilà. Grosso modo, hein, disons-le, l'échange n'est pas énorme. Par contre ici on a des sentries en première ligne. Attention à ne pas faire le concon. On a des Hydras derrière qui ont-ils la range? Oui, ils ont la range.
La nuque, comme dirait Fanka. Il m'a tué. La nuque ? La nuque. Hier, il y avait des nukes. Il y avait des nukes hier avec Marou. Oui, il y avait un match de ouf, malade. Ouais, je l'avais déjà vu, en fait, moi, et j'en avais parlé vite fait, vraiment, en disant, t'as une game de ouf, tu vois. Et lui, il y a Fanka, il m'a tué, il faisait, la nuque ! Ah oui ! Ah la nuque. Ouais, c'était, je crois qu'il y a eu 18 nukes qui ont été, été envoyés dans ce match. Il a produit ça pendant 10 minutes en fait. C'était classique contre Marou justement. C'est ça, exactement. Et ça par exemple, c'est un truc que vous pouvez voir en instant replay si vous êtes abonné. Sinon, la VOD devrait sortir d'ici encore 24 heures. Ça met 48 heures à peu près à sortir une VOD. Bon, vu la preview qu'on vient de vous faire, vous aurez déjà débandé d'ici là. C'est probable. Alors que voilà, si vous vous abonnez maintenant, vous pourrez le voir juste après cet underdog. Ouh, attention ici, on a c'est un comme ça que ça se passe. Chez Fludge. Ouais. Attention! Allez, ici on a quelques Hydras, quand même beaucoup d'Hydras, le dire, hein, qui sont en train de faire un petit peu du Carpaccio de Sentry malgré tout. La gestion Blinkstalker qui est bonne, on a des Atwarp en première ligne, il est en train de se faire défoncer ce Belin d'après moi. Tout à fait. Il est en train de se faire marcher sur la gueule. Attends, quoi, t'es Psionic, tu veux dire? Psionic, tu le trouves? Ah bah oui, la Psionic, il s'est fait manger absolument toutes tes Sentry, ouais, il est en train de trade vraiment pas correctement. Là pour moi, c'est très très favorable aux Zerg. C'est vrai qu'en fait j'avais peur. Top Europe ne mec, valide pas ce que tu dis. Ouais, aujourd'hui, non, mais en fait, pose ton micro, je parle pour un con. Non, mais je sais. C'est en fait, les Hydras, ça retourne une faille tellement vite. Ferme ta gueule, pauvre, je t'aime pas. Vas-y, je me barre. Allez, ici. Regarde, il vient le choper là. Il vient le choper. Y'a quoi? Regarde à la pop, y'a 32 pop d'écart, y'a tout dans les œufs. Qu'est-ce que tu dis? Non, arrête. C'est le rip-hop qui est important, Coca, tu devrais le savoir. Bah oui, mais justement, regarde, la pop elle est la même. Il vient de le défoncer. Alors maintenant, arrêtez de me troller, hein. Le Zerg qui est sorti en poule, s'il te plaît. Et regarde, il a que dalle, il a que des roaches de merde. Enfin, il a que dalle parce qu'il a du mal à dépenser son argent. Bah oui, non, mais alors ça c'est pas ma faute s'il sait pas, faire des larmes, c'est le mec qui s'énerve, tu sais. C'est la gueule. Franchement, je me suis fait bâcher là, j'ai pris cher. Mais c'est pas grave, j'aime bien. Non, mais les deux joueurs pour ça aussi. Les deux joueurs peuvent encore gagner là, hein. C'est difficile à call. Ce Belin qui repasse devant néanmoins. Pouf, il arrive, il dit ça, il me regarde dans les yeux, il me fait. Clairement, là c'est serré ici. 80 notre pop à 90, en tout cas pour la population armée. Beaucoup de roach, peu de hydralisques, les hydras qui vont être clés dans l'affrontement qui arrive. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On y va, on y bah va là, pas. On va tout défoncer là. Oh là là, le prisme qui tombe. Ça c'est un peu triste. Le prisme qui tombe ici, on va essayer de choper. On va target sentry. Les sentry, ouais. C'est bien fait. Joli mal fait. Mais là, moi je mets. Moi je sens bien Psionic, hein. Ok. Psionic 3 d'attaque, hein. Qui a très bien fait son move. Bande de fripouille. Et Coca qui peut-être, eh bien voilà, n'aura pas dit que de la merde dans ce match. Maintenant faut warper et il a pas. S'il a un pylône, mais il faut emmener ses zélotes ici. Il y a la pylonnerie, mais ouais, il y a beaucoup de stalkers, plus 3 d'attaque, c'est en train de faire un carnage sur l'armée de Zbelin. Zbelin qui est en train de trébucher. Zbelin qui GG. Merci, voilà. Disons-le, tout s'est passé à la fight sur la P3. Oui, exactement. C'est juste que vous ne l'aviez pas vu, voilà. Meurtre, le gars qui est précis, bien sûr. Et c'est juste que voilà, moi, et 1-0. Enfin, ouais. Moi, je l'aurais gagné à du 3. Tu dis une quantité de merde quand même, c'est impressionnant quoi. Genre, même moi je suis. Bah, attends, mais normalement mais il va alterner donner, avec une vanne sensée entre les. Il non, va jamais. Donner la diarrhée, c'est abruti. C'est ça. Quand j'ai une petite descente d'organes chez les casters. C'est ça. Et même que des fois, j'ai vomi. Et même que des fois, je vomis. Et moi, des fois, j'ai vomi. Voilà. Et finalement, t'as été la tortue. C'est moi. T'as été l'ancêtre de la tortue. C'est moi qui vomis. Non, c'est la petite, non, c'est sa petite. Ah oui, c'est l'autre. Non, lui il se cure le nez comme un gros sale. Non, c'est pas ça, il se met un petit bambou dans le nez pour respirer. Oui. La classe. Bon, Jean, je suis sûr que le chat le troll là. Voilà. Alors, le chat, je pense, il te. Ah oui, non, là je suis en train de me faire salir. Il te troll, mais depuis 6 heures. Voilà. Ah. Je plains Drogo hein, d'écouter Coca, bien sûr. Question de tonton, c'est qui le mec avec un polo rouge? Ah, c'est moi. Et bien tout simplement, c'est Kuka. Kuka Starcraft. Kukas. Cook. Pepsi. Pocahontas. Poca-Coca. Ouais. Ouais. Et puis. Poca-Cocas. C'est ça. C'est Poca-Coca, pardon. Voilà. Donc. Nouvelle recrue. Enfin, nouvelle, ça fait quoi? Ça fait 4 mois, 6 mois? Non, que t'es là ça fait 6 mois. Ouais. Enfin, même 6 plus mois. En fait. Je suis arrivé... Le premier passage que j'ai fait, il était en janvier. Et nous sommes en août. D'accord. Donc 8 mois bientôt. C'est ça, exactement. 8 mois de Kuka. Et, Toujours autant de conneries. Et toujours autant de bulles, c'est ça. C'est ça. C'est du bon produit, comme on dit. Scar West qui dit. Regarde, tellement lourd. Voilà, c'est maintenant là. Là, c'est maintenant que les gens commencent à m'entendre me faire salir là. Merci.
C'est quoi cette merde? Merci tonton, hein, j'adore travailler avec toi. Il fait chaud, on se met bien. Mais mets-toi double! Quel talent. Ouais, carrément. La Corona, habile. Petite manette à côté pour embrayer derrière. Nocti qui est sur le stream, hein, donc faudra bien rajouter du délai. Hein. S'il a battu DNS, c'est 20 minutes. 20 minutes pour Nocti. Voilà, bah c'est bon, tonton, il aime personne, hein, ça va. Allez, Pionic. Enfin, bref. Voilà. Les gens ont lu dans ton jeu, Kuka. C'est ça, non, mais bon, ils savent pas, tu vois. Mais dans 2 minutes, ils verront que j'aurai eu raison. Oui, voilà. Tu vas créer un mythe. Voilà. Kuka voit dans le film. L'inverse de tu. Tu veux que je te fasse le prono? L'inverse du pronostude, quoi. C'est ça, exactement. Le pronoka, c'est-à-dire, c'est le truc qui est faux qui devient vrai, au lieu d'être le truc qui est censé être le vrai. Le pronoka plutôt que le pronoko. Ça, c'était pronoko, ton truc? Ouais, wow, je sais pas, un pronoko, il y a un truc, tu vois. Pronoko. Si tu veux, je t'annonce le gagnant de cette game tout de suite, là. Mais bon, après, ça casse le truc, tu vois. Enfin, tu t'amuses moins. Mais alors, le système, c'est quoi? C'est que tu dis un truc et le mec finit par truc qui est censé être faux, obviously faux, et qui devient vrai, c'est ça un pronoka? Non, c'est juste que je sais ce qui va se passer. Pouf. D'accord. Je suis dans le turfi. En fait, je t'explique. Non, je vais rien expliquer du tout, ça va être complètement nul. Je manque d'imagination dans l'immédiat. Pomf, ne me lance pas, s'il te plaît. Pouf. On envoie la game, allez, du coup, directement en haut, en bas à gauche. Ici. Si. Qui vient de gagner, du coup. Eh bien, sa première map contre un Zbelin, eh bien, peut-être pas assez fromagé, peut-être un peu trop de crackers sur l'aliment, n'est-ce pas? Oui. Il s'agit, bien sûr, de Piscionico. Piscionico. Grand cheeseur, hein, d'ailleurs, membre éminent du gang des petites salopes, avec Nocti. Tout à fait, du gang des petites salopes, avec Minimat, avec des Minimat, DNS. Minimat, on a un peu de DNS, mais Marine surtout Lord du Marine Lord, qui était prodigue à l'époque, et avant qu'il commence à gagner. C'est ça. Le gang des petites salopes, donc voilà, un crew de PSG, de sub-top français qui sont passés aussi par la phase streamac et snipage d'Adel Scott. C'est un peu là qu'ils se sont un peu forgés, j'ai l'impression qu'ils sont un peu soudés en Assos 1901, en haut à droite, pendant que Kuka me regarde insistamment. Zbelin. Voilà. Mais fait. Oui, tout à fait. Bah, Drogo, ça. Et dont le but était tout simplement le gang des petites salopes, de trouver les strats les plus putes sur StarCraft. Est-ce que tu considères faire partie du gang des petites salopes, Drogo? J'ai pas compris. Le gang des petites salopes, est-ce que c'est t'en fais partie? Est-ce que ça... y a qui dans le gang des petites salopes? Bah, il écoute pas, hein. Et après, il intervient dans les games. Il y a Nocti. Il y a évidemment. Donc, oui. Il y avait Marine Lord à tout l'époque. À il y avait également. C'est quoi le nom de ce. Risk, non? Je sais pas. Bon, il y en a d'autres. Mais c'est tous les. Il y avait Jason, évidemment. Jason. Bah, tous les mecs qui jouent pas classique et qui vont trouver les pires cheese de la Terre pour gagner, quoi. Oh, ça va, Psunik, il est pas trop méchant à ce niveau-là. Ouais. Ouais, je pense quand même qu'il. Il fait beaucoup de trackers tout le temps, mais il va pas de cheese. Il va pas te planquer. Ouais. Alors là, par exemple, il a fait un pylône, mais c'est pour rigoler. Il va pas Cannon Rush. Bon, tant que c'est pour rigoler, ça va alors. Ouais, parce qu'on est sur un jeu. C'est la bonne boutade avec Psionic. C'est ça. Non, mais Psionic, moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était à la Chef LAN. Hein, t'y étais aussi, Drogo. Et il léchait les oreilles des gens. Psionic, il arrivait dans le bac, tu vois. Et hop, il te léchait l'oreille. Nice. Dégueulasse. Hein. Ah, je te jure que. Entre ça et puis Lilbo qui arrive, qui met des comme ça dans les hanches, tu vois. Ça, tu vois. Et ben, t'es pas sécu, tu vois. Dans ce top-là, t'es pas sécu. Pendant ce temps-là, t'as DNS qui se prend 2-0 par OS. Enfin, bref, on avait bien rigolé. Hein. C'était une bonne journée. Ici, on a Psionic qui prend l'info qu'il va y avoir une rapide B3 voilà, de la part de Zbelin. Il l'a vu, hein, il n'y avait pas de gaz, il y avait peu de larves en prod. Il le sait, le Psionic. El Psionico. Wallé. Smirno. Il manque un V. Et on fait de la Smirnov. Nice. Allez, la référence. Enfin, c'est pas de la référence, hein, c'est du jeu de mots. Hein, c'est un petit peu de le calembour. Voilà, c'est un petit peu de la blague. Allez, ici. Un petit peu de la blague. Est-ce que ces arguments vont passer? Je pense que oui. Ah, là, il y a no way que le Zilot l'ait calme. Double passement de jambes. Sur le beat et le flambe. C'est un passement de jambes. Je pensais que t'allais enchaîner sur Marly Gaumont en fait. Je viens... Mais le beat est bon. Je viens pas de Paris.
Je viens pas de Paname, mais de Marlingo. Bon, il n'y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures, mais n'empêche que j'ai croisé pas mal d'ordures. Ah, bien sûr, allez. Bien sûr, le talas. À l'époque de Diams, hein, bien sûr, c'était au même moment. Tu vois, j'étais en 6ème et j'écoutais Faf la Rage, Marley Gaumont et Diams. Nice. Et Fatal Bazooka. Voilà. Ah ouais. C'était ça. Ah ouais. J'étais en 6ème et on a sorti toutes ces saloperies en même temps. I know when it's gonna win. Allez. Ah là là. La boulette de Diams. Moi, je tombais dessus sur ces trucs. C'était sur Skyrock. MTV midi, quoi. D'accord. Et tu switchais. Et c'est le moment où je me disais que ouais, on était tombé bien bas. Alors que toi, ça crée ta culture musicale. Bah, c'est ça, hein, la genèse. À 11 ans, tu te fais. Bah, tu te dis, ah putain, c'est beau gosse. Alors qu'en fait, un peu plus tard. L'année suivante, c'était la Tectonique. Hein. Ah ouais. Et d'ailleurs, dans le métro, j'ai croisé un mec qui avait un t-shirt Tectonic Killer il y a une semaine ou deux. Donc voilà, c'est bon trip. Ça existe encore. Ah, je pense que bah, du coup, c'est devenu vintage, quoi. C'est, ouais, bien sûr, j'étais un ancien, quoi. On aurait bien aimé que ça disparaisse plutôt, mais bon, ça, c'est pas grave. Ici, un oracle en prose. Oui. Toi, t'avais dansé la Tectonique. Moi, ça me faisait barrer. Non, danser la Tectonique, moi, j'agitais, voilà, un peu comme tout le monde, les bras. Mais comme le reste du temps quand je danse, tu vois. Genre, c'est juste que là, il y a un thème, quoi. Tu sais qu'il y a une espèce de choré et tout. Avec Yel. Yel! Cuisiner avec ton tablier, c'est ça, non? C'est ça, ouais. Je veux te voir dans un film pornographique. Ah, c'est ça, exactement. Ça m'est revenu d'un coup. Merci Pronf pour ce grand mot. Ouh, Psionic. Psionic qui nous fait la spéciale. Psionic qui nous fait une deuxième Stargate avec des Void Ray en production. Et c'est vu, hein. Et intéressant ce plusieurs d'attaques. Est-ce que c'est une feinte? Est-ce que ça ne l'est pas? Est-ce qu'on va lancer un plusieurs d'attaques aérien? Je ne sais pas. Ici, en tout cas, quelques glings qui sont en train de casser le caillou et qui pourraient surprendre. Eh oui, parce que se faire casser le caillou, c'est plutôt surprenant. C'est ça, surtout quand tu t'y attends pas. C'est ça. Demander aux amis de Bill Cosby et tentative de Nexus, peut-être, posée par Psionico, ce serait pas la meilleure idée du siècle, puisque là, on le voit, une petite troupette de teaserling qui se fraye un passage. Nexus c'est... posé. Et c'est pas vu, et là, ça prend des coups, pof, quelques propres pitons. Pof. Ah, ils font mal, hein. Ils font mal, ces glings, mine de rien. Et on a quoi, communauté? On a que dalle, communauté. Mais mec, s'il savait... Une forme de nudité. Il prendrait ça, quoi. Voilà, il va prendre cette B3 à coup sûr. Oh là là, ces glings qui font mal, hein. Ouais, les glings le plus worth it de la planète qui viennent de faire trop mal, quoi. Ah oui, excusez-moi, j'ai manqué ça, un oracle qui a quand même fait... Il reprend des unités. Il y a un oracle, hein, qui a fait 8 kills de la part de Psyonix. Excusez-moi, je l'ai manqué ici. On a quelques... On ne fait jamais ça. Bah, c'est toi qui me racontes tes histoires. Écoute, Pomf, je t'écoute des fois et tout. Ouais, tu dois être concentré sur la game, Coca. Ça doit être ta seule occupation, ton seul salut se trouve dans le skill de ces joueurs. Est-ce que tu suces tes deux? Oui. Bref. Fais-moi ton plus gros cri d'ultralisque. C'est un peu ce ton-là que t'avais sorti, qui avait sorti Uncle. C'était une bonne vidéo. Hein. C'était une grande vidéo. Je l'ai re-regardé, ouais. Hein, Gamecult contre Pomfetu, je l'ai regardé au taf récemment. Parce que je me refais un peu la chaîne Pomfétude comme je me fais chier. De grandes barres furent distribuées ce soir-là. C'est vrai. Ce matin, parce qu'on a tourné ça dans un parking, c'était un samedi matin, je me souviens. Moi j'avais la crème, en plus on avait fait la fête la veille, enfin bref. Oui, t'as des petits yeux noirs, hein. Ça se voit. Autant vous dire que. Bah c'était un Pomf comme d'hab, hein, un Pomf en forme. Sauf qu'il, voilà, c'était le matin, il faisait froid. Extrêmement froid. Mais le skill a été envoyé. 4 Void Ray. Déformant cette purée de pois chiches. Besoin quand tu seras face à... Ouais, c'était une bonne vidéo. Oui, je suis un très grand fan de Pomfétude. Hein. C'est pas parce que je travaille avec eux que je suis plus du tout fan. Je reste un fan un petit peu inconditionné de gaming et de Pomfétude. Bon, je suis fan de toi. Nice. T'es fan de moi aussi? Bah, moi je suis fan non, de toi, Coca. Non, tu me fais chier, t'es un petit con. Je suis fan de tes castes, mec. Ah ouais? Je te trouve cool. Beaucoup moins nul que les autres. Attention, tu m'arrives presque à la cheville. Allez, attention ici. Les Void Ray ont pris un peu des hits gratuits, mais là, ça serait le moment de pick-up. Voilà, ces deux petites queens. Jamais sans mon pick-up. Oh là, ça tape peu, ça. Oh là là, ça fait. Bah non, ça... il a pas encore utilisé le rayon de la mort, hein. C'est pour ça aussi. Ouais, là, il est en mode oh, demi-molle. Oh, il va target le terrier. Allez, salut. Ça rentre chez Psionic, par contre, hein. Là, ça a été. C'est percé. Il a percé l'abcès par contre là, alors là le terrier qui tombe d'une aisance. Et le recall. Et eux qui n'ont pas fini, hein. Pendant ce temps-là, on nettoie. Bon, attention, faut claquer le force field ici, il n'y a plus de force field, les props qui prennent. Ici quelques zerlings, et finalement, est-ce que le trade était rentable? Eh bien, c'était intéressant pour Psionic finalement. Ouais, même s'il est que B2. Hein.
Il est que B2. Regarde, Matt, là, le rocher, là, ils sont toujours en train de le péter. Il vient d'être calmé. Coca fait l'expert du Peura alors qu'il ne connaît pas l'école du micro d'argent. Non, je ne connais pas, j'avoue. Tu connais, toi ? Bien sûr. Moi, je sais pas ce que c'est. Quoi ? Bah non, mec, je sais pas ce que c'est. Mais non, c'est une blague. Non, mec. Mais si, c'est une blague. Et si je te dis que je sais pas, vraiment ? Bah, et si je te dis que je sais, c'est le dire en live. Et si je te dis que je sais, en fait. Et si je te dis que je sais pas. Mais tu sais forcément ce que c'est, mec. Bah oui. Bah mais bon, ouais. Amiral Sims, je l'ai vu me tracher sur le chat tout à l'heure, tu vois. Alors je vais dans son sens. Allez, Amiral Sims, crache-moi dessus, j'adore ça. Allez, ici, quelques void rays. Il y en a pas mal, hein. Il y a 6, 7 void rays. Oh là là là. Non, mais là, y a, par contre, il y a trop de heal. Hein. Ouais, là, il y a du heal. Et normalement, les void rays vont tomber un par un. Petite micro-gestion de la part de Psionic pour le moment qui fait très très bien le taf. Toutes les queens tapent cependant. C'est pas une situation optimale pour le joueur Protoss. Il faut partir run by qui recancelle cette troisième base depuis tout à l'heure. Psionic qui est sous la pression de Mazerling. Ouais, Spelin qui fait le taf. Spelin qui envoie des billets. Ça va rentrer là. Partout. Ça va rentrer là. Ouais. Il faut craquer ton force field. Il n'y a plus de force field. Il y a notre force field, mais trop tard. Arrivé trop tard. Oh là 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 là. Ici, il est en train de prendre quelques probes. Le bon. Bah, finalement, il fait pas très mal, hein, le Zbelin là-dessus. Et on a de nouveau un rebuy de Voidray qui va aller se séparer de cette B4. Elle ne minera pas, Ponf. Non, cette B4 ne minera pas. Et ça passe en T3 T3, ouais. Pour le Zerg. Plus en attaque. C'est chaud cette game, hein. Psionic qui montre un jeu là à base de Voidray. Ouais. Très 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 intéressant. Et qui récupère son plus 1 d'attaque aérien. Que je trouve très intelligent sur cette map, de par ce caillou en fait. Mm. Et surtout une B4 très très dure à sécu. Ici, oui, attention. Il se met le heal peut-être sur le bâtiment, non. Il s'est mis à porter des heals. Ah, j'aime bien cette révélation sur les queens. Ça, c'est super intelligent de la part de Psionic qui va pouvoir savoir où elles sont. Et là, il va aller terminer la base là-haut. Voilà, et là, il va aller se la faire. Adapter là, les queens. Sa technique à la manière du caméléon. Ouais, sans c'est pitié ça. Pour Matt et la rébellion. Millénaire, salive empoisonnée, longue amère. Non. Je secoue la tête. Oh, la bubule. Oh, la bubule. Et ça, c'est l'âge qui tombe. Allez, balance ton rayon de la mort qui tue. Ça revient à faire un sprint. Une équipe d'asthmatiques ici, les queens qui n'ont pas réussi, mais qui finalement vont repousser le go de la part de Psionic. Plus 2 d'attaque, plus 2 de défense pour le joueur Zerg. Au corps à corps, intéressant. Il n'a pas décidé de faire des Hydra ou du Muta ou quoi que ce soit pour contrer ses Void Ray. Et en même temps, les Mutas seraient complètement cons. Ici, par contre, les queens qui sont encore une fois hors de position. Et alors, ça, c'est sûr que c'est ce T3 qui. Boum ! Oh mon dieu! Mais là, il peut les fight, les queens. Hein. Il n'y a plus beaucoup d'énergie. Hein. Oh là, il mec, a son plus là, en là, attaque. Là, en plus, il y va. Ah bah ouais, non, mais normal. Boum là, oh là là, oh là 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 là. Il n'y a même pas les îles qui partent. Il n'est pas dessus ou quoi? Non, il n'est pas dessus. Il est en train de gérer ça, je crois. Il est en train de gérer ça, ce Belin. Sauf que là, il y a tellement d'unités qu'il va se faire reboot. Et ici, GG. Ah, GG, 2-0. Sur une niche magistrale, sur une strat masse R. Ah, c'était joli à voir. Ça changeait. Franchement, sur cette map, je trouve ça très très mal. Ouais. Avec le rocher, ouais, la première action qu'il a fait. Ouais, et puis l'essuie-glace B2, B3 qui est vraiment très très loin. En fait, elles sont très loin l'une de l'autre. Il faut traverser la B1, c'est vachement intelligent. Récemment, on le voyait beaucoup sur Vahani de la part des joueurs Protoss. Parce que c'est un peu la même config. On doit traverser la B1 pour aller vers la B3 et traverser la B1 pour aller vers la B2. Ce qui fait qu'un essuie-glace à base de Queen, c'est très long. Ce Belin qui a pas voulu faire d'Hydra. Ouais, il est resté et vachement longtemps. Du coup, ce qui fait que bah, ouais, il s'est fait avoir par juste des Void Raid. Très très bien fait de la part de Psionic. Il a tenté une compo un peu au WTF, hein, faut le dire. Entre Football Manager et les Underdogs, mon cœur balance, GG les gars, bisous, Drogo. Eh bien balance toi, comme dirait Tony Parker. Fais ce que tu veux, mets-toi double. Ça c'était pas la meilleure référence de rap par contre. Non, effectivement, mais elle a été dite. Voilà, des fois... Deal with it. Just deal with it. What you gonna do, what you gonna do, when we come for you. Quand on lance la pub... Bleh. J'ai surpris Alex Kish, là, il était là. Hein, pub. Quoi pub. Quoi tu te lances la pub. Est-ce qu'on fait un... Non, bah on va refaire une, Alexis. Qu'est-ce que tu crois? Un pub à la Pro League, c'est. Pub. A tout de suite.